Pierre Bodin, dit Pierrot le Fou. Cet homme a 58 ans aujourd'hui et il a passé 35 ans de sa vie enfermé entre la prison et l'hôpital psychiatrique. Pour des vols, des braquages, des tentatives de meurtre. Et à chaque fois qu'il a été jugé et condamné, à chaque fois qu'on l'a envoyé en prison, on s'est dit, cet homme est-il normal? Est-il accessible à la justice des hommes ou est-il fou? Fou et donc passible de l'hôpital psychiatrique. Plusieurs fois condamné donc à la prison, il a toujours bénéficié de remises de peine. Sauf que la dernière fois, après sa dernière libération, il a été accusé du pire, le viol et l'assassinat accompagné d'actes de barbarie de deux adolescentes de 11 et 14 ans et d'une femme de 38 ans. Elles s'appelaient Jeanne-Marie, Julie et Edwige. Le début de l'été, dans la vallée du Ried alsacien. Vendredi 18 juin 2004, il fait chaud. À l'heure du déjeuner, les rues du village de Rino sont quasi désertes. Comme chaque jour, Madame Kegelin appelle ses enfants pour le repas de midi. Mais aujourd'hui, Jeanne-Marie ne répond pas. Elle a 11 ans. En fin de matinée, la petite fille a pris son vélo. Peut-être est-elle allée ramasser des balles de tennis perdues derrière le stade, ça lui arrive souvent. Le fils aîné de la famille Kegelin part immédiatement à la recherche de sa petite sœur. Comme il avait entendu dire « Maman, je vais faire un tour », il s'est dit « Tiens, elle n'est pas rentrée, ça c'est pas normal ». Donc il est tout de suite allé sur le lieu où il a trouvé le vélo. Le vélo rose de Jeanne-Marie est là, abandonné, près des cours de tennis. Inquiet, le grand frère fait le tour des installations sportives, l'appelle à nouveau. Rien. La famille Kegelin alerte alors la gendarmerie vers 14h. Comme dans toutes les brigades de France, on a tiré les leçons des dernières disparitions tragiques d'enfants. On sait qu'il faut agir vite. Je dirais, un quart d'heure après, nous avons entendu l'hélicoptère. Le colonel qui nous a beaucoup suivis et qui a été prévenu assez vite, nous a tout de suite dit, quand on a décrit, enfin, on leur a fait part de cette disparition, la première chose qu'ils se sont dit, ça sent le roussi. Parce que c'est un enfant de cet âge, c'est un âge où on est vulnérable. Alors, pour eux, ils ont tout de suite quand même envisagé le pire. Oui. L'après-midi même, une grande battue est organisée. Partout, on appelle Jeanne-Marie. Tout le monde s'est mobilisé pour essayer de retrouver la petite Jeanne-Marie, l'enfant du pays, c'est ce qu'il disait, c'est l'enfant du pays qui a disparu. Tous les médias de la région sont là. Tout de suite, il y a une sorte d'urgence. On sent une urgence et les visages fermés des gendarmes. Des avis de recherche sont placardés dans les rues de Rino. Mais personne n'a rien vu, rien entendu. Les gendarmes essayent donc d'en savoir un peu plus sur Jeanne-Marie. On voit tout de suite une photo de la petite fille. Bon, une coupe au carré, des bonnes petites joues. Vraiment une petite fille de 11 ans. On apprend assez vite qu'elle est issue d'une famille où ils sont 8 enfants, que c'est des gens très pieux. Et normalement, elle ne va pas autour de l'eau, elle ne transgresse pas ce qu'elle a indiqué elle-même. Et donc l'inquiétude est immédiate. Du côté du procureur et des gendarmes, on ne veut pas croire au scénario du pire. Il y a trois pistes dans cette situation, comme dans toute situation analogue. Celle, disons, non pas d'une fugue, mais éventuellement d'une aventure, ce qui peut toujours arriver à un enfant. Celle d'un accident. Et puis l'hypothèse qui n'est bien évidemment pas du tout écartée d'un enlèvement. Nous avons simplement, par rapport à hier, étendre le périmètre de recherche d'une part en Allemagne et d'autre part au nord et au sud de Rino. Jeanne-Marie ne sait pas nager et la région fourmille de ruisseaux et de bras morts du Rhin. Les canaux sont donc sondés, en vain.
Pendant ce temps-là, on fouille le secteur où le vélo de la fillette a été retrouvé. Mais les chiens qui suivent la piste de Jeanne-Marie s'arrêtent net, ici, au bord de la route. Deux jours ont passé depuis la disparition de Jeanne-Marie. Et toujours rien. Plus le temps passe et plus l'hypothèse d'une issue heureuse s'estompe. La messe du dimanche lui est consacrée. J'ai une petite fille qui a le même âge. Hein. Ça fait mal au cœur. Hein. Tout le monde y pense. C'est dramatique. Vous savez. Ça, c'est dramatique. Oui, c'est pour la famille. Hein. Évidemment, on se raccroche, n'est-ce pas, toujours à l'idée de la retrouver. Donc on peut se dire, peut-être, non. Non, tout de suite, on a compris qu'on ne la retrouverait pas. On est nécessairement amené, d'où l'enquête judiciaire qui a aussitôt été entreprise, à considérer l'hypothèse de l'enlèvement comme l'hypothèse qui apparaît en l'état la plus vraisemblable. L'angoisse gagne le village. Ce 21 juin, jour de l'été, Rino a annulé sa fête de la musique, suspendu à un signe de Jeanne-Marie. Madame Meyer, vous êtes maire de Rino, hein, c'est le village où vivait Jeanne-Marie. Au moment où elle disparaît, vous n'êtes pas à Rino. Hein. Je suis en vacances pour quelques jours en Angleterre. Mmh. Lorsque vous apprenez la disparition de Jeanne-Marie, quelle est votre réaction? C'est samedi matin, la stupéfaction. Comment voulez-vous réagir? On m'apprend la disparition, c'était pas encore a priori trop grave, mais enfin, je suis très inquiète. Je demande aux adjoints si je dois rentrer, et on me dit non, parce que... On va la retrouver. Ça sentait déjà relativement mauvais, mais... Je crois qu'on parlait déjà de faits graves. On avait peur de ne pas la retrouver vivante. Vous la connaissiez, Jeanne-Marie, hein ? Oui, assez peu, mais enfin, son père est quand même mon petit cousin. On n'a pas on n'avait pas de relation régulière, mais c'est une enfant... je connais la plupart des enfants du village. Pourquoi est-ce que vous dites sa santé déjà... à l'époque, vous dites le roussi. Ben, c'est une enfant qui n'était pas... Enfin, la famille est quand même très particulière, vivant un peu en vase clos. Elle n'était plus scolarisée à l'école, tout ça, je le savais. Et ce sont des enfants qui ne sont pas du tout du genre à faire des fugues ou à disparaître comme ça. Donc, le vélo ayant été retrouvé, il ne restait pas 36 solutions. La famille Quégelin s'est réfugiée dans la prière. 4 jours sont passés depuis la disparition de Jeanne-Marie, lorsqu'un témoignage fait basculer l'enquête. Dans le village voisin, à Hartolsheim, des enfants racontent qu'ils ont été témoins d'une étrange scène près de la maison d'une famille de gitans. Mais ils vont voir... Peut-être dans la rue ou dans la cour, par l'interstice de la barrière, le corps d'une petite fille, dans le coffre d'une voiture, et des gens s'intéresser au corps de cette petite fille. Le corps de cette petite fille est bougé, est manipulé. Enfin, ils vont voir ça. Et puis, ils vont revenir et ils vont raconter ça à leurs parents. Les 6 gitans, des vanniers comme on les appelle dans la région, sont immédiatement arrêtés et interrogés à la gendarmerie de Célestat. Et durant la garde à vue, le plus jeune d'entre eux craque. Son frère Georges et son beau-frère Jacques seraient partis avec la voiture en direction de Rino, où par accident, Georges aurait renversé la petite Jeanne-Marie. À la suite de ça, Georges aurait pris cette petite dans ses bras, il l'aurait mise dans le coffre comme on ramasserait
un malheureux gibier qui aurait été renversé. Pris de panique, les trois hommes auraient ensuite ramené le corps dans leur maison d'Artolsheim. Sur le moment, un accident, on s'est dit « ouf ». Parce que tout le monde était parti, c'est vrai, un peu dans sa tête à se dire « est-ce qu'elle a peut-être été enlevée par un réseau elle est peut-être en Bulgarie à l'heure qu'il est ?» Quelque part, il y a un soulagement, c'est terrible, mais il y a un soulagement de se dire « bon, ben voilà, c'est un accident de voiture, de gens un peu borderline qui étaient sous. » Dans le village d'Artolsheim, ça fait belle lurette que les habitants de la maison délabrée des Vanier sont pointés du doigt. On apprend assez vite que ce sont ce qu'on appelle des gens du voyage, mais sédentarisés, des Vaniers qui ont très mauvaise réputation, c'est peu de le dire, hein, dans le village et dans la région. C'est des gens qui ne sont pas aimés par beaucoup d'Alsaciens. On raconte des choses horribles hein, sur leur compte. On a affaire à des gens qui sont quand même rustres, si ce n'est pas pour dire frustres, qui sont durs. On a des bagarres assez régulièrement, comme on pouvait les avoir dans toutes les campagnes françaises il y a encore quelques dizaines d'années. Ils boivent beaucoup. Ils travaillent peu. En tout cas, pas dans les circuits traditionnels. C'est des petits délinquants, c'est pas la grosse criminalité. C'est des vols, c'est des conduites sans permis, des conduites en état d'alcoolémie. C'est pas vraiment des grands délinquants. Alors ils dérangent parce qu'ils sont nombreux, ils dérangent parce qu'ils sont bruyants, puis ils dérangent surtout parce que c'est des vanniers et qu'ils ont un peu la tâche au milieu du village, quoi. Bah, Meyer, avec vous, j'aimerais qu'on parle de... Alors nous, on les appelle les gitans. Comment les appelez-vous? Ou on peut les appeler aussi les vanniers? Les vanniers en Alsace, oui, oui. Les gitans sont pour nous ceux qui viennent d'ailleurs, et les vanniers sont ceux qui sont implantés sur place depuis fort longtemps. Et qui ont un mode de vie très différent de celui des habitants du village? Oui, ils vivent en marge. Ce sont des gens qui sont acceptés dans le village, ils font partie du décor depuis toujours ou ils ont toujours été rejetés? Est-ce que c'est rejeté ou est-ce que c'est eux-mêmes qui ne souhaitent pas rentrer dans le système? Ceux qui vivent de manière cohérente, c'est-à-dire sans rapine ni autre, n'ont aucun souci. Mais de quoi ils vivent? Bah, ils font vraiment Les vanniers, ils font vraiment des... Bah, les vanniers vivent de... De paniers tressés, non? De paniers tressés, il y en a encore, oui. Ils vivent de les vieux métaux. Donc ils ont une fonction. Oui. Ils ont une fonction sociale, quoi. Oui, on peut appeler ça comme ça. Que disent les habitants du village lorsque ils sont soupçonnés? Ben, qu'est-ce qu'ils disent? C'est haro sur les vanniers. C'est quand même haro sur les vanniers, oui. Mais enfin, c'est là qu'on a une scission. C'est haro sur tous les vanniers. Et nous, les élus, on essaie quand même de dire attention, les vanniers, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il ne faut pas confondre les affaires aussi graves que celles de Jeanne-Marie et les petites rapines du quotidien. Quoi. Il ne faut pas... Sur le moment, vous-même, à titre personnel, vous pensez qu'ils sont coupables? J'attends des faits. Les gendarmes fouillent en vain la maison des suspects. Et les interrogatoires continuent. Mais les témoignages des vanniers sont de plus en plus confus, contradictoires et surtout de plus en plus glauques. Ladite enfant aurait été frappée et aura ensuite été recouverte de terre, immergée dans une rivière, ressortie de cette rivière ou de ce plan d'eau pour enfin être immergée dans le Rhin. Le récit est sordide. Et il repose uniquement sur la parole du plus fragile des suspects, un adolescent mentalement déficient. Son frère Georges, accusé d'avoir tenu le volant de la voiture qui a renversé Jeanne-Marie, nie toujours. Georges va utiliser un peu toujours les mêmes expressions, tantôt en français, tantôt en alsacien, mêlé de yiddish, de vanier. Tout ça, c'est des conneries. Yo, tout ça, c'est des conneries. Très vite,
on pense qu'effectivement, ça a mal tourné. C'est une connerie qui a mal tourné, voilà. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on n'a pas retrouvé le corps de Jeanne-Marie, ni la voiture qui aurait provoqué ce fameux accident. Les voitures des Vanier ne présentent aucune marque de choc avec un vélo. Du coup, les gendarmes gardent un œil sur les Vanier, mais continuent de chercher d'autres pistes. Jusqu'à ce qu'on apprenne la disparition d'une autre fillette. Ça fait une semaine que l'on cherche Jeanne-Marie. Et voilà que le vendredi 25 juin, une nouvelle disparition est signalée aux gendarmes, à Schirmeck, un autre village de la région. Julie Charche, 14 ans, partie faire du vélo avec son amie Maud en début d'après-midi, n'est pas rentrée chez elle. Dernière limite, c'était 18h30, elle devait être à la maison pour 18h30. Et là, 18h30, elle n'était pas là. Donc, comme toutes les jeunes, hein, je me suis dit, bon, 5 minutes, c'est pas une catastrophe. On va se mettre à table, ça la fera venir. À 7h, toujours pas de nouvelles, là, je téléphone sur le portable de Maud. Et c'est là que Maud me dit, mais on s'est quitté à 5h de l'après-midi. Il était 7h. Donc là, pas normal du tout. Que fait ma fille pendant 2 heures? C'était pas normal. J'ai pris la voiture, je suis allée sur le chemin qu'elle a emprunté, dans l'esprit d'un accident de la route. Comme il y a un endroit où il y a un fossé assez important, il était tout à fait plausible qu'elle ait été poussée dans le fossé. Et j'ai fait cette route de long en large, je n'ai rien vu. Je ne sais pas quelle heure il était là, j'avais plus les yeux sur la montre. Là, je n'ai plus du tout de notion du temps. On a cherché, on a mis sang dessus, dessous, tout le quartier. Les voisins, le voisinage, tout le quartier a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour me trouver ma Julie. Il faisait nuit, il faisait même froid sur la fin, je ne sais plus quelle heure il était. Et même de nuit, je veux dire, ils ont été dans des endroits les plus sombres pour la chercher, vraiment. Je crois qu'ils ont fait vraiment tout ce qu'ils pouvaient, tout le monde. Jeunes comme plus âgés. Et de nouveau, comme à Reno, les alentours sont couverts d'avis de recherche. En fait, on se retrouve avec une semaine de décalage, avec les mêmes personnes en face de nous. On a le colonel Jiéret devant nous, qui nous faisait les mêmes points presse, malheureusement, que la semaine précédente, en nous disant la même chose. La thèse accidentelle prend un petit peu moins d'importance, puisqu'on a fait des recherches considérables, qu'on a eu beaucoup de monde. En revanche, j'en reviens à la disparition volontaire ou non volontaire. Pour l'instant, on ne peut privilégier aucune des deux pistes. Je sais que les gendarmes m'ont dit que ça n'a rien à voir avec Jeanne-Marie. Ça, je me rappelle au tout début, hein, quand j'étais à la gendarmerie, vraiment dans les premières heures. Ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec Jeanne-Marie. J'étais convaincue de la fugue. Je ne sais pas si c'était parce que je ne voulais pas nier ou... Mais de toute façon, je n'envisageais honnêtement aucune autre solution. Mais si c'est une fugue, comment expliquer que Julie, adolescente débrouillarde, soit partie sans affaires, sans papier et surtout sans argent? Du côté des enquêteurs, une semaine après la disparition de Jeanne-Marie, on pense tout de suite au pire. Et si Julie avait été enlevée? Le lundi 28 juillet, le vélo de Julie est retrouvé sur les hauteurs de Schirmeck, en pleine forêt. C'est un promeneur qui le découvre à moitié immergé dans un ruisseau, comme si on avait voulu le dissimuler. «
Tant que nous n'avions pas retrouvé le vélo, nous pouvions imaginer qu'elle était en train de se déplacer et donc que rien ne lui était arrivé. Et le moment où on a retrouvé le vélo, on s'est dit qu'elle n'aurait jamais abandonné son vélo. Et donc, à partir de là, il y avait une intervention extérieure et donc la probabilité d'un enlèvement était beaucoup plus forte. Et ça devient très inquiétant. Je pense qu'on a, à ce moment-là, pris conscience que l'affaire Jeanne-Marie, ou la disparition de Jeanne-Marie, n'était pas forcément un cas isolé, mais que ça pouvait être quelque chose de plus important. On peut tout imaginer, mais pas ça, quoi. Pas le pire. Pas le pire. On ne peut pas imaginer le pire, mais la vérité, c'est qu'on y pense quand même. D'autant qu'entre la disparition de Jeanne-Marie, le 18 juin, ici à Rhinau, et celle de Julie, le vendredi 25 juin, à Schirmeck, on a retrouvé le corps d'une femme le 22 juin, ici, à Indisheim. Une femme de 38 ans, donc pas une adolescente. Donc on ne fait pas le lien. Un pêcheur a retrouvé son cadavre dans un ruisseau, un corps dénudé, avec des traces de strangulation et des blessures au niveau du sexe. Elle s'appelait Edwige Vallée. Mais franchement, compte tenu de son âge, il n'y a aucune raison d'établir un rapport avec la disparition de Jeanne-Marie et celle de Julie. 10 jours ont passé depuis la disparition de Jeanne-Marie. Les gendarmes continuent de rechercher le corps de la fillette. Mais l'enquête fait du surplace. Les interrogatoires des Vanier mis en examen ne mènent nulle part. De 6, le nombre d'arrestations est passé à 20, et le nombre de versions aussi. Les enquêteurs se heurtent à un mur de silence et d'incompréhension. Ce qui est très difficile dans cette affaire, et même avec cette famille, c'est que soit ils se chargent, soit ils essayent de se dédouaner. Bref, il y a autant de versions que de mises en examen, finalement, dans cette affaire. Et c'est très compliqué de savoir qui a fait quoi? Qui dit quoi? C'est un milieu totalement hermétique. Hein. C'est un milieu dans lequel on ne pénètre que si on veut bien nous laisser pénétrer. Et j'ai bien l'impression que personne ne veut nous laisser pénétrer. C'est très simple. Il y a ceux qui sont de leur famille et il y a tout le reste. Et le reste, on n'en parle pas, on ne leur parle pas, on ne communique pas. C'est tout. Les Vanier ont-ils vraiment renversé Jeanne-Marie? L'ont-ils enlevé, comme l'a raconté le plus jeune? Violé, comme l'ont dit d'autres? Et si tout est faux, pourquoi ont-ils avoué? Moi, j'ai un peu l'impression qu'au bout d'un certain temps, les gens vont avoir tendance à dire ce que vous voulez qu'ils disent pour se dire comme ça, je suis tranquille. Hein? Alors de là à dire que a fait que retranscrire les déclarations que les gendarmes ont bien voulu leur faire, vous ne le ferez pas dire. Mais il est évident que y a cette bonne guerre, il y a quelque chose qui se met en place. Il faut agir vite. Hein. La gendarmerie est pressée par le temps, l'opinion des parents, l'opinion publique. Sous la pression publique et médiatique, la justice s'obstine donc et cherche toujours à partir des aveux embrouillés des Vanier, le corps de Jeanne-Marie. On n'en sait pas beaucoup plus, mais les gendarmes et les juges d'instruction vont immédiatement partir faire des vues des lieux avec ces Vanier qui vont les balader, il n'y a pas d'autre mot, pendant plusieurs jours, dans la campagne alsacienne, à proximité du Rhin, leur indiquant que des scènes horribles, plus ou moins horribles ou franchement insupportables se sont passées à tel ou tel endroit. Alors que la juge d'instruction est en train de fouiller les bords du Rhin, à la recherche du corps de Jeanne-Marie, tout va basculer le 29 juin, dans l'après-midi. Et là, on a un coup de fil de confrères qui nous disent « On a trouvé un corps d'un petit garçon. » On nous dit. Et là, ça fait 10 jours qu'on est à fond et on se dit oh, « Un quatrième. » On fonce à Valf. Et on arrive, périmètre de sécurité, tous les médias tenus à l'écart, et une tension terrible. Ils nous tiennent à distance, on ne peut pas voir. Pendant ce temps-là, ils se murmurent, c'est peu de le dire, que ce n'est pas un petit garçon, que c'est une petite fille. Et que, selon toute vraisemblance, c'est Jeanne-Marie.
des chaussures de type bateau de couleur bleue et surtout le Bermuda marqué à son nom et son prénom ne laisse pas de doute à cet égard. Ce sont trois enfants du village de Valf qui jouaient près du ruisseau qui ont alerté les gendarmes. Alors on apprend qu'ils ont quand même été sur le bord et ils ont vu ce qu'ils prennent pour une poupée gonflable au début. Et donc un corps très décomposé et extrêmement mutilé. Le corps effectivement est en très mauvais état. D'ailleurs les gendarmes au départ, les médecins légistes n'ont pas pu déterminer avec précision tout de suite qu'il s'agissait bien de Jeanne-Marie. On découvre assez vite des traces de strangulation. On détermine également que la fillette a dû être violée. Et même pire que ça, que son bas-ventre a été fortement abîmé avec un couteau, probablement, ou en tout cas avec un objet coupant. Le corps de Jeanne-Marie est découvert à plus de 30 km de l'endroit où les Vanier prétendaient s'en être débarrassés. Voilà qui mérite quelques explications. Je me rappelle très bien qu'on a attendu longuement au tribunal jusqu'à ce que les juges reviennent. Ils sont revenus en colère noire. L'interrogatoire derrière a tout de suite été relativement froid, sec, ce qui était normal compte tenu des constatations qu'ils venaient de faire. Et encore une fois, là, nous, on n'était pas avertis. On nous a juste dit, voilà, il y a ci, ça, ça. Maintenant, c'est plus la même donne, quoi. C'est sûr que là, c'est plus la même chose. Je veux dire, il faut être clair. Ce soir-là, on avait tous le sentiment que ces jeunes gens, non seulement nous avaient menés en bateau, mais qu'il y avait encore vraisemblablement un criminel en liberté qui continue à tuer. Les Vanier sont en effet derrière les barreaux depuis plus d'une semaine. Or, des tas de gens sont passés près de ce ruisseau et n'ont rien vu. C'est donc qu'on a déposé le corps de la fillette à cet endroit très récemment. Et alors qui ? Les Vanier auraient-ils des complices ? C'est à ce moment-là que les enquêteurs osent faire le rapprochement entre l'assassinat de Jeanne-Marie dont on vient de retrouver le corps, et le meurtre d'Edwige Vallée, dont le corps a été retrouvé dans un ruisseau 7 jours plus tôt. Pourquoi ? Tout simplement parce que les deux corps ont subi les mêmes mutilations barbares au niveau du sexe. Alors certes, Jeanne-Marie avait 11 ans, et Edwige en avait 38, et on a du mal à croire qu'un même pervers ait pu s'attaquer à deux femmes si différentes. Mais Edwige ne faisait pas son âge, elle faisait beaucoup plus jeune. Il y avait quelque chose de très juvénile en elle. À ce moment-là, bien sûr, on craint le pire pour Julie, 14 ans, qui demeure toujours introuvable. Toujours sans nouvelles de Julie, les gendarmes essayent de retracer le dernier trajet de l'adolescente. Après avoir quitté son amie à 17h sur la place principale du village de Russe, Julie aurait suivi à vélo la route vers Schirmeck. Sa trace se perd ensuite quelque part sur la départementale 204. Mais sur le trajet, dans le hameau de Stenbach, un témoin aurait vu Julie discuter le jour de sa disparition avec un homme au volant d'une Ford Escort blanche. Une Ford Escort blanche. Il se trouve que depuis quelque temps, les gendarmes ont à l'œil un homme qui a ce type de voiture. Une garde à vue a été nécessaire, qui a permis des vérifications très approfondies, mais il n'a pas eu d'éléments suffisants pour l'exercice en l'état de l'enquête actuellement, pour l'exercice de poursuite. Et quand le procureur nous dit ça, il nous le dit d'une manière telle que je lui demande « Mais vous avez l'air vraiment désolé d'avoir dû le laisser partir. Vous auriez voulu le retenir. » Et effectivement, il n'avait rien contre lui. Ils ont été obligés de le laisser repartir, mais on sent que ça les travaille et on sent une tension. Effectivement, les gendarmes s'entêtent sur la piste de cet homme et ça va finir par être payant. Dans la forêt, près de l'endroit où a été découvert le vélo de Julie, ils découvrent sur le sol
les débris d'un clignotant de voiture qui semble venu de la fameuse Ford Escort. Mais c'est le vélo lui-même qui fournit aux enquêteurs un indice essentiel. On a retrouvé des traces de sang sur le guidon du vélo. Or, après analyse génétique, il s'avère que c'est le sang du propriétaire de la Ford Escort. Les gendarmes suivent discrètement l'homme depuis quelques jours. Il vit dans une caravane, sur le terrain d'un ferrailleur, dans le village de Burkheim. Il s'appelle Pierre Baudin. Braqueur, multirécidiviste, sorti de prison il y a à peine 4 mois, en liberté conditionnelle, sous contrôle judiciaire. Le 30 juin au matin, les gendarmes venus en force cernent le terrain et lancent l'assaut. Et bon, ils sont venus de tous les côtés, hein. Ils étaient sur les toits, partout. Hein. Quand j'ai entendu à terre les mains sur la tête, j'ai pas dit plus. Hein. Pierrot, il a essayé. Bon, je suis pas sûr qu'il était derrière moi, mais ce que je sais, s'il aurait pu passer de l'autre côté, il aurait essayé. Mais il y avait deux gendarmes de l'autre côté aussi. Et bon, à la fin, on était tous à terre, quoi. Des indices graves et concordants m'ont conduit à clôturer la procédure de flagrance et à requérir l'ouverture d'une information du chef d'enlèvement et séquestration suivie de mort. En garde à vue, Pierre Baudin nie. Il ne connaît pas cette Julie. Il me dit qu'il a été interpellé de manière un peu violente, que les gendarmes ont abattu un chien de la casse où il logeait, qu'il ne comprend pas ce qu'il fait là et qu'il n'a rien à voir avec toute cette histoire. Dans l'entourage de Pierre Baudin, c'est également la surprise. Même son ami, le ferrailleur qu'il hébergeait depuis sa sortie de prison, tombe des nues. Si c'est vraiment lui, et j'ai eu de la chance. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Enfin, je suppose que vous comprenez. Mes deux filles. Il a emmené mes deux filles à l'école. Il a emmené mes deux filles à la piscine dimanche encore. Je préfère pas penser que c'est lui. Pierre Baudin est présenté au juge d'instruction. Nous, on l'attend derrière le palais de justice de Saverne. Et là, on voit arriver un type totalement caché, avec des gilets pare-balles, sous une couverture. On voit que ses mains. Moi, je me souviens d'avoir regardé ses mains. Je me suis dit, si c'est lui, c'est ces mains-là qui ont tué. Il le met dans la voiture, hop, et ils partent. Il y a quelques personnes qui l'insultent. C'est un peu glauque, quoi. Maître Moser, vous êtes l'avocat de la famille de Julie au moment où Pierre Baudin est arrêté. Alors, il se trouve que ce garçon-là, vous le connaissez, vous l'avez déjà croisé. Vous savez qu'on a affaire à un type très pervers, oui. Très inquiétant. Bien, je vais vous dire, je fais la connaissance des parents de Julie la veille de la découverte du corps de Julie. Je sais le 2 juillet que Pierre Baudin pourrait être impliqué dans la mort de Julie. Je suis, à ce moment-là, avant découverte, terriblement angoissé en sachant que Baudin pourrait être impliqué parce que je connais ce personnage et je connais sa dangerosité qui est extrême et c'est véritablement un personnage tout à fait un criminel chevronné particulièrement dangereux. La famille de Julie, quand on leur dit que cet homme est sans doute l'assassin de Julie, au moment où on le leur dit, on n'a pas retrouvé hein, le corps de Julie, on le cherche encore, comment est-ce qu'ils réagissent? Eh bien, jusqu'à la découverte du corps de Julie, les parents ont de l'espoir. Ils veulent espérer que leur fille est encore vivante, qu'elle a fugué. Moi, bien que je sois convaincu de l'issue funeste, j'essaie de leur donner un peu d'espoir, un peu d'humanité, un peu d'espérance. Mais dès ce moment-là, avant découverte, je suis déjà terriblement angoissé, connaissant le nommé Baudin. Est-ce qu'à ce stade de l'enquête,
On fait le lien avec les autres disparitions. Jeanne-Marie, Edwige. Ben, les gendarmes et les juges d'instruction se posent rapidement avec sagacité des questions quant à la question de savoir, quant au point de savoir, s'il y a effectivement une connexité entre ces trois crimes. Ce Pierre Baudin est donc le suspect numéro un dans la disparition de Julie, dont le corps d'ailleurs n'a pas encore été retrouvé. Mais franchement, dans la tête des gendarmes, il y a cette idée que ce Baudin est peut-être aussi l'assassin de Jeanne-Marie et celui d'Edwige, puisque depuis le début, ces trois drames s'étant déroulés dans la même région, à quelques jours d'intervalle, ils pensent que tout est lié. D'où l'intérêt de fouiller dans la vie de Pierre Baudin pour savoir si on a affaire à un maniaque sexuel, un amateur de petites filles. Et la réponse est non. Le Pierre Baudin, connu de la justice, est un braqueur. Pierre Baudin, 57 ans, est un vieil habitué de la justice. Un vanier alsacien qui, très jeune, s'est fait une spécialité dans les braquages et qui, très vite, a éveillé l'attention des psychiatres. Le parcours judiciaire de Pierre Baudin, lui, commence en 69. Et à partir de là, il a pratiquement vécu en prison, d'abord, puis en prison et en HP ensuite. Et il y a quelque part un article qui dit que chaque fois qu'il sortait, au bout de 3 mois, il récidivait. Depuis toujours, la personnalité de celui que les médias ont surnommé Pierrot le Fou divise les experts. Baudin est-il fou ou pas? En 1989, de nouveau interpellé après avoir commis 16 hold-up en moins d'un an, il rencontre le docteur Henri Brunner, psychiatre, pour une énième expertise. Il était extrêmement agité, d'une part, et logoréique, comme nous disons, c'est-à-dire qu'il parlait tout le temps. Il se liloquait, sans tenir compte de rien du tout, ni de moi, ni de l'extérieur, de façon incohérente, mais avec un thème de persécution qui semblait se dégager de tout ça. Il répétait qu'il n'était pas fou. Et il reconnaissait les faits, mais d'une façon incohérente. Il disait à peu près, oui, j'ai volé, on m'a dit que j'avais volé, c'était pour acheter un hélicoptère, etc. Des témoins racontent que quand il était à la prison, qui était à l'époque au centre de Strasbourg, il longeait les murs de la cour de promenade avec son bras comme ça, et il se mettait la main en sang comme ça, en raclant les murs. Enfin, c'est un personnage bizarre quand même, hein. Alors, mon sentiment à moi, c'est que j'ai affaire à un fou. J'ai conclu qu'on était en présence d'une maladie mentale, psychotique, qui ne permettait pas à l'intéressé de répondre de ses actes, et qui nécessitait non pas la prison, mais l'hospitalisation. À peine hospitalisé, Pierre Baudin n'est plus que l'ombre de lui-même. Diagnostic, état régressif complet. C'est-à-dire mutique, replié sur lui-même, ne marchant plus et ne contrôlant plus les fonctions naturelles d'élimination. En 1992, Pierre Baudin végète depuis 2 ans en fauteuil roulant à l'hôpital d'Erstein, où il attend son procès pour les hold-up. Or voilà que le 11 décembre, il retrouve ses jambes, il profite d'un léger relâchement de la surveillance et s'évade par la fenêtre du réfectoire. Alors je l'apprends tard le soir, par un coup de fil à domicile du magistrat instructeur de l'époque, qui était Madame Dominique Lynn, et qui me dit en substance, ben voilà ce qui s'est passé. On pense qu'il est retranché dans une maison. Vous, vous le connaissez, on a besoin que vous nous disiez comment il faut que nous fassions. Alors moi, je dis à Madame Lynn, je peux rien vous dire, parce que tout ce que vous me dites ne correspond absolument à rien de ce que j'ai vu chez Pierre Baudin. La seule chose qu'on pouvait en déduire, c'était qu'il n'était ni mutique ni paralysé. Il fallait bien que je me rende compte que Pierre Baudin m'avait trompé. Alors,
Alors Dominique, le 11 décembre 92, alors qu'il est dans un état supposé végétatif, cloué dans un fauteuil roulant, Pierre Baudin s'évade de l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qu'il fait pendant sa cavale? C'est l'histoire du miraculé d'Erstein. Celui dont tout le monde pense qu'il est incapable de marcher, enjambe le muret du réfectoire et s'enfuit de l'hôpital. La cavale va durer 72 heures, trois journées pendant lesquelles il va terroriser toute la région. Il ne circule qu'à bord de voitures volées. Il attaque un premier automobiliste avec un pistolet à grenaille, on ne sait pas comment il se l'est procuré. L'automobiliste tente de résister, il reçoit deux décharges de grenaille en pleine figure. Le lendemain matin, on est le 12 décembre, Baudin attaque une banque, ici, à Indisheim. Il prend un otage, il est cagoulé, il a des gants, il a le même pistolet à grenaille, un couteau de cuisine, et sous la menace, en menaçant son otage, il se fait remettre 20 000 francs à la caisse de la banque. Il s'enfuit sans avoir oublié de poser du ruban adhésif sur les plaques de la voiture qu'il a volée. Donc il n'est pas si fou que ça, Baudin. Il descend au sud, Ensisheim. On est en fin de matinée le 12, il achète un fusil de chasse dans une armurerie. Avec 5 boîtes de cartouches, dont des chevrotines. Il repart. On est dans la nuit du samedi au dimanche, 13. Ici à Colmar, il tombe sur un équipage de la police nationale qui repère la voiture volée. Course-poursuite, fusillade. Les policiers ouvrent le feu sur sa voiture. Lui réplique, il a baissé sa vitre, il a posé son fusil à pompe sur la portière, il tire en roulant. Les policiers crèvent les pneus de sa voiture. Il se réfugie derrière la glissière de sécurité en métal et là, il tire une balle dans la tête d'un policier. Une chevrotine. Le policier va s'en sortir miraculeusement. Là, il est à Houssen, dans la soirée du 13 décembre. Il enlève et il viole à plusieurs reprises une femme. Elle le supplie de la laisser en vie. Il va la libérer. En fin de journée, il est remonté jusqu'à Aubernais, ici. Les gendarmes l'attendent. Il y a des barrages sur les routes. Il force un barrage. Remitraillage. On retrouve sa voiture criblée de balles. Il l'a cachée sous des branchages. C'est le forestier. Il est retourné là où il sait qu'il peut trouver un abri, là où il est à l'aise. Au fond du bois. Au fond du bois. Et là, c'est la traque qui commence. Les gendarmes ont sorti l'hélicoptère, les motos tout-terrain. Et au moment où il est arrêté, il va pour épauler son fusil. Là, les gendarmes lâchent un chien d'attaque qu'il neutralise. C'est la fin de la cavale. On a là un homme qui vient d'agresser des policiers avec une immense violence. Un homme qui vient de voler, d'attaquer à main armée. Un homme aussi qui vient de violer une femme. Est-ce que lorsque vous le voyez, vous sentez chez lui une composante sexuelle forte? Non, ça n'apparaît absolument pas. Il fait état de mariage. Il a eu deux enfants de la première femme. Une petite fille de la seconde, n'aimait aucune préoccupation dans la série érotique. Cet homme, donc, avait été considéré comme un malade mental. Il était en fauteuil roulant, cloué dans un hôpital, et puis il a commis les crimes qu'on vient de raconter. Il est fou, il n'est pas fou? Eh bien, nous l'examinons et on ne trouve pas de signe évident de folie. Il n'est pas confus, il n'est pas dissocié, il n'est pas délirant, il n'est pas halluciné. On se trouve devant un monsieur qui a un destin un petit peu particulier, oscillant entre l'asile et la prison, et on pense personnellement à un déséquilibre mental. De quelle nature? D'une nature répondant à ce que nous appelons une conduite psychopathique, c'est-à-dire qui vit avec avidité dans l'instant, sans trop s'occuper des conséquences de ses actes. Il est dans l'instabilité, l'impulsivité, et donc il commet d'une manière constante une série d'actes répréhensibles. Mais alors où est la part de maladie là-dedans? Alors la part de maladie, c'est lorsqu'il est pris, qu'il se sent sidéré, eh bien il plonge dans un univers factice, qui est fait justement de pseudo-hallucinations, de pseudo-délires, de confusion. Il va jusqu'à manger ses excréments. Il est en phase de catatonie au point que certains pensent que c'est un schizophrène. Bref, il arrive à donner le change, même à des médecins avertis.
Alors la question qui vous est posée, hein, c'est toujours la même. Est-ce que cet homme est accessible à une sanction pénale? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le juger ou est-ce qu'on doit l'envoyer vers l'hôpital psychiatrique? Tel que nous le voyons à cette époque, eh bien, il ne présente pas d'anomalie mentale de nature à influer sur sa responsabilité. Certes, il a un comportement dangereux, mais surtout au sens criminologique du terme. Et pour nous, il est accessible à une sanction pénale. Le 15 mars 1994, l'auteur de la cavale infernale de 1992 passe donc en cour d'assises à Colmar. On lit une succession de faits étonnants. Voilà, c'était presque Belmondo. Il avait sauté d'une fenêtre, il avait sauté dans des voitures, escaladé des rambardes, etc. Et tout à coup, l'entrée dans le box, parce que c'est presque le théâtre, hein, la cour d'assises pour ça. D'un seul coup, il y a une porte qui s'ouvre. Et là, au lieu de voir un Belmondo, ben on voit un monsieur un peu ventripotent qui arrive. Il marche avec une démarche de crabe, tout tremblant. Cocasse aussi parce que il avait des réponses qui avaient aucune relation avec les questions qu'on lui posait. Il disait qu'il voulait rentrer dans sa chambre. Il faisait beaucoup rire avec sa mobilette. Il faisait un blocage sur une mobilette qu'on lui avait volée, semble-t-il. Donc même quand on lui posait des questions graves, il répondait sur sa mobilette. Cocasse, sans doute pas. À la barre, Pierre Baudin est décrit comme un homme extrêmement dangereux, violent. Un homme capable de tirer sans hésiter sur quiconque, y compris sur des policiers. Et alors à ce moment-là, ça a été un défilé d'experts assez piteux qui disaient, parce que encore une fois, je n'avais pas été le seul. Oui, il était fou quand je l'ai vu, mais il était plus fou après, parce que ça colle pas, ça. Les troubles mentaux, les troubles neurologiques, ne sont pas tels des fleurs qui éclosent au printemps et se fanent à l'automne pour refleurir au printemps prochain. Ils sont présents ou ils sont pas présents. Il y avait un détail qui avait marqué tout le monde dans l'arrêt de renvoi et dans ce qui avait été répété pendant l'audience, c'est que à Erstein, il avait mangé ses excréments. Et donc ça, bien évidemment, c'était un détail, mais qui laissait à penser que vraiment, il devait être fou. Mais en même temps, il donnait tellement l'impression de simuler qu'on se disait, rendez-vous compte, il a poussé la simulation jusqu'à ce détail sordide et difficilement imaginable. En tout cas, si Pierre Baudin avait joué la folie pour éviter la prison, ça n'a pas marché. Le verdict est très sévère, 30 ans de réclusion. Pierre Lefou se pourvoit immédiatement en cassation. Grâce à un détail de procédure, il parvient à faire annuler le verdict. 2 ans plus tard, Baudin est donc rejugé par la cour d'assises de Strasbourg. Et alors à ce moment-là, Pierre Baudin, tout le monde est d'accord, est transformé. Pierre Baudin a l'œil vif. Regarde ce qui s'était pas du tout passé lors du procès de 94. Tous les experts et tous les témoins. Je le vois encore entrer. Il a regardé ici ou là, comme s'il prenait la mesure de ce qui se passait dans cette salle d'audience. Il a salué l'assistance. Une politesse étonnante. Et ensuite, donc, il s'est adressé à la caméra pour dire « Je suis pas Pierrot le fou ». C'est-à-dire que tout de suite, on a compris quel allait être son système de défense. C'est-à-dire que ce n'était plus Pierre le fou, c'était Pierre Baudin. Je ne suis pas Pierre le fou, un assassin. Pierre le fou qui a tiré sur les policiers les chantages. En l'an, je n'ai pas grand. Moi, j'ai rien de fou, j'ai 3-4 métiers. J'ai travaillé 25 ans. J'ai père de famille, je ne suis pas violeur non plus. C'était la preuve que Colmar, c'était une simulation.
et que c'était quelqu'un qui était capable de parler des faits qu'on lui reprochait et qui était capable d'argumenter. Alors, Pierrot le Fou, un simulateur ? Comment expliquer autrement ses volte-face et ses multiples visages ? En 35 ans de délinquance, il n'a cessé d'alterner période de folie et période de lucidité, état végétatif et braquage à main armée. En 1996, Pierre Bodin opte cette fois pour la contrition. Il s'excuse. Il se justifie. Écoute ce que j'ai à dire. Et je vais prendre Dieu en témoin et la Vierge Marie. Ce que j'ai à dire est grave, est grave. Mais son nouveau visage n'a pas l'effet escompté. De 30 ans, sa peine est ramenée à 28. Il a pris 28 ans. J'avais fait le calcul, si mes souvenirs sont bons, je crois que je dis dans les commentaires... On ne devrait plus entendre parler de lui avant 2012, et force est de constater que c'était pas un bon pressentiment. Alors effectivement, Dominique, Pierre Bodin ne va pas rester en prison jusqu'en 2012, puisque en 2004, il est le suspect numéro un dans l'affaire des meurtres de Julie, Jeanne-Marie et Edwige. Comment ça se fait, ça ? Ouais, Christophe, on est au début des années 90, Bodin est en détention préventive. 1994, il est jugé pour une série de hold-up qu'il a commis en 88-89, 16 hold-up. 94, il est condamné à 19 ans de prison. La même année 94, il est condamné pour un autre hold-up qu'il a commis en 89, 2 blessés graves dont un policier. Là, Bodin prend 15 ans. 1996, Bodin comparé à nouveau devant les assises pour la cavale dont on a parlé tout à l'heure, pour les crimes et délits commis pendant cette cavale de 72 heures. Pour l'ensemble de son œuvre pendant ces 72 heures, 28 ans de prison. Ça fait 62. 62, c'est une peine théorique. Parce qu'en France, on ne cumule pas les peines de prison. On les confond. On les confond. Donc la confusion des peines fait qu'on applique la peine la plus élevée, 28 ans. Mmh. 28 ans de prison. Là-dessus, l'avocat de Bodin, procédurier, va trouver une faille dans la procédure pénale qui a conduit à la condamnation à 28 ans. La Cour de cassation confirme, les 28 ans deviennent 20 ans. Mmh. Remise des peines, comme tous les prisonniers, Bodin, qui est un prisonnier qui se comporte bien, a droit à des remises de peine, en moyenne tous les ans. En moyenne, 2 mois chaque année, ça fait un total de 3 ans sur 20 ans. 20 ans deviennent 17 ans. Mmh. Là-dessus, grâce présidentielle. Les grâces présidentielles, c'est plusieurs mois chaque année. Le 14 juillet. Le 14 juillet. Donc pour Bodin, ça va faire environ 3 ans. Les 17 ans deviennent 14 ans. Mmh. 14 ans, normalement, Bodin sort de prison en janvier 2005. Et là, eh bien, il a une liberté conditionnelle parce qu'il s'est tellement bien tenu en prison qu'on lui enlève encore 8 mois. Il sort de prison, il a fait 13 ans. On est en mars 2004. 62 ans sont devenus 13 ans de prison effectifs. Retour en 2004. Les gendarmes cherchent toujours le corps de Julie. Le 3 juillet, près du village de Nothalten, un viticulteur découvre un cadavre dans un petit ruisseau qui longe les vignes. Selon toute vraisemblance, il s'agit du corps de Julie. Les éléments qui me permettent de le dire sont les effets vestimentaires qui ont pu être trouvés sur les lieux et dont elle était vêtue, notamment son jogging, son t-shirt, ses chaussures, sa casquette, sa montre. La police scientifique est sur place. Sur le corps de Julie, on retrouve les mêmes terribles blessures que chez Jeanne-Marie. En ce qui concerne en tout cas les lieux de découverte, les circonstances ou les scènes de crime et les mutilations dont elles ont été victimes toutes les deux,
il paraît assez vite que la main qui tient le couteau est la même dans le cas de Jeanne-Marie et dans le cas de Julie. La même main aussi, sans doute, qui a tué Edwige Vallée. La jeune femme de 38 ans, dont le corps retrouvé dans l'eau, portait les mêmes mutilations barbares au niveau du sexe. Très vite, beaucoup de journalistes vont prendre une carte et vont voir Bourgheim au milieu, Valve d'un côté qui est à 15 km et Nothalton qui est à 15 km également. Valve où l'on a retrouvé le corps de Jeanne-Marie et Nothalton où l'on a repêché celui de Julie. Et même l'endroit où Edwige Vallée a été découvert n'est pas très loin de Bourgheim. Donc on a une espèce de zone géographique tout autour de Bourgheim, là où résidait Pierre Lefou. Les coïncidences s'accumulent. Désormais, les enquêteurs croient à l'hypothèse d'un seul tueur pour les trois crimes. Un tueur qui s'appellerait Pierre Baudin. Pour Julie, les traces de sang ont parlé. Mais pour Jeanne-Marie et Edwige, il faut des preuves de l'éventuelle implication de Pierre Lefou. Interrogés, certains proches de Baudin se souviennent d'un étrange accident le soir de la disparition de Jeanne-Marie. Le 19 au matin, la voiture était en panne. Et quand j'arrive auprès du véhicule, j'ai vu un clignotant cassé, une trace noire sur le bas de caisse. Et d'après moi, j'ai bien d'après moi, du sang sur le toit. Et le temps que je vienne ici et que je retourne à la voiture avec le booster pour la redémarrer, la trace de sang était relevée sur la voiture. Les gendarmes, ils ont examiné les relevés, les appels téléphoniques de Baudin. Et son portable aurait été détecté dans la zone de Reno le jour de la disparition de Jeanne-Marie. Donc il était dans le coin. Reno, le village de Jeanne-Marie, l'endroit où le clan des Vanier a avoué, puis ensuite nié, avoir tué la fillette. Des Vanier qui déclarent subitement face à la juge d'instruction se souvenir de la présence d'un autre homme ce jour-là. Je suis interrogé le mardi après-midi chez le juge d'instruction avec. Je lui ai dit mais est-ce que t'as pas oublié quelqu'un? Il va me dire temps d'hésitation, Pierre Baudin, tout de suite Pierre Baudin. Le problème, c'est qu'entre-temps, le visage soigneusement camouflé de Pierre Baudin a été dévoilé au grand public. Le journal régional de France 3 a diffusé une photo de Pierre Baudin. Continue de nier. Arnaud Rapp. Voilà trois cadavres en deux semaines, retrouvés dans des rivières non loin de Bergheim, où résidait Pierre Baudin. On a donc une photo récente qui va être diffusée de mémoire le 5 juillet 2004. Et dès le 7, premier interrogatoire qui suivent, l'un va nous dire il y avait quelqu'un d'autre, il y avait Pierre Baudin, qu'on appelle Pierrot. Bien entendu, son surnom, c'est Pierrot le Fou. D'ailleurs, je vais le reconnaître sur photo et il va pointer du doigt, bien entendu, la photo qui a été diffusée sur FR3 la veille. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils reconnaissent Pierre Baudin parce qu'ils l'ont vu sur les médias ou est-ce qu'on reconnaît Pierre Baudin parce qu'ils l'ont vraiment vu? Et ça, ça pose véritablement un problème et c'est le problème du respect du secret de l'instruction dans ce dossier. Pendant ce temps-là, les gendarmes ont exploré la voiture de Pierre Baudin et fouillé sa caravane de fond en comble dans la plus grande discrétion. C'est à nouveau l'ADN qui va parler et on va donc trouver des traces de sang de Jeanne-Marie dans la voiture de Pierre Baudin. Et du coup, le lien est fait entre Pierre Baudin et Jeanne-Marie, tout comme il avait été fait par l'ADN avant, entre Pierre Baudin et la disparition de Julie. Le 21 juillet 2004, Pierre Baudin est donc mis en examen pour la deuxième fois pour le viol et l'assassinat de Jeanne-Marie. Et quelques mois plus tard, on retrouve dans la voiture de Pierre Baudin le lien qui manquait pour l'impliquer dans le troisième assassinat, celui d'Edwige Vallée. On retrouve un élément pileux, un cheveu ou un poil de la jeune femme, dans la voiture de Pierrot le Fou. À partir de ce moment-là, il n'y a plus trois affaires, mais une seule, avec tout de même une grande interrogation. Comment un braqueur multirécidiviste, certes pas très équilibré, peut-il être soupçonné de trois meurtres à caractère sexuel? Poursuivi pour les trois assassinats, Pierre Baudin continue de tout nier.
Pour soutenir sa défense, il fait même appel à l'avocat qui le suit depuis plus de 10 ans et qui, lorsqu'il a appris son interpellation en juillet 2004, n'a pas voulu y croire. Je me souviens très bien, je croisais ce matin-là le procureur de Saverne qui me disait « c'est Baudin, c'est Baudin ». J'ai dit « c'est Baudin quoi ?» Il me dit « on a arrêté Pierre Baudin ». Alors j'avoue que j'étais effectivement très surpris. Moi, je m'attendais à ce que, tôt ou tard, on reparle peut-être de lui dans un braquage. Ça, c'était peut-être quelque chose de concevable, mais pas le profil d'un délinquant sexuel, pas le profil d'un meurtrier. Il n'a jamais été condamné ni pour des faits de violence sexuelle, surtout pas sur des mineurs, ni pour avoir tué qui que ce soit. Il n'a jamais, jamais tué. Voilà donc la justice avec un accusé qui n'a pas, a priori, le profil. Car même si Pierre Aulfou a déjà été condamné pour un viol en 92, lors de sa cavale, cette unique condamnation pour crime sexuel a parfois été sujette à caution. C'est une histoire qui reste assez obscure parce que, d'après les expertises que j'ai pu voir, il avait été blessé peu de temps auparavant par une blessure par balle au niveau de l'un de ses testicules. Et disons que ce viol n'a vraiment intrigué personne. Mais si Pierre Baudin n'est pas étiqueté délinquant sexuel, certains de ses penchants pervers étaient visiblement connus. Donc j'ai rencontré son co-détenu. Depuis que sa propre fille, la propre fille de ce co-détenu, a 9 ans, Baudin lui écrit des lettres d'amour. Il écrit des lettres d'amour à une petite fille qui a 9-10 ans déjà. On savait qu'il s'intéressait de jeunes filles et ci et ça. Il disait, moi je veux une jeune pucelle, comme il disait, une jeune pucelle pour faire ma vie, quoi. Alors bon, je veux dire, une jeune pucelle, hein, ça peut être une fille de 20 ans aussi, hein. Voilà. Et bon, on pensait pas s'en prendre à des gamines de 14 ans, quoi. On sait que ces éléments n'ont pas suffisamment alerté pour que l'on puisse mettre en place un suivi psychiatrique. Chacun devra en répondre au minimum devant sa conscience. Là encore, on se heurte à un vrai problème de moyens qui sont ceux du juge d'application des peines et qui sont ceux en amont de l'administration pénitentiaire, dont la mission première est de garder et pas de traiter. Donc, Pierre Baudin est arrêté. Alors, quand on regarde le casier judiciaire, certes épais, de Pierre Baudin, bon, on trouve surtout beaucoup de braquages, beaucoup de vols. C'est un bandit de grand chemin, mais franchement, c'est pas un délinquant sexuel. Alors, je voudrais nuancer vos propos. Je voudrais dire que lorsque Baudin a 25 ans à peu près, il passe en correctionnel pour des CBV. Des CBV, ce sont des coups et blessures volontaires sur la personne d'une jeune femme. Et lorsque on va consulter les archives qui sont au dossier judiciaire, on réalise que ces coups et blessures avaient en réalité une coloration sexuelle, à savoir que Pierre Baudin a cherché à caresser très activement cette jeune femme. Je passe bien entendu les détails par pudeur. Mais il n'a pas été condamné pour ça? Non, parce qu'à l'époque, voyez-vous, ça se passait, ce que je relate se passait il y a 25 ou 30 ans, et à l'époque, les infractions sexuelles, elles n'étaient pas réprimées avec la même vigueur, la même intensité que de nos jours, et à l'époque, j'ai connu ça comme jeune avocat, des agressions sexuelles, eh bien, étaient appelées des coups et blessures. Maintenant, depuis quelques années, les infractions sexuelles étant réprimées comme elles doivent l'être, cette situation, bien entendu, ne pourrait plus exister. Deuxième chose, c'est que pendant son évasion qui se situe fin 1992, et alors que Pierre Baudin collectionne en peu de temps à peu près 20 crimes et délits, eh bien, parmi ces crimes et délits, il est un viol sur la personne d'une dame et il a été condamné pour ce viol par la cour d'assises compétente. Il existait donc un passé de délinquant sexuel, mais alors qui n'a pas du tout été pris en charge. C'est-à-dire que ça n'a alerté personne, hein, manifestement. Oh, c'est exact, c'est passé inaperçu au profit de son personnage de, comment dirais-je, de braqueur, de violent, de rusto. Mais c'est vrai que cette dimension sexuelle a été quelque peu oubliée, si je peux dire ça comme ça. En prison, je crois qu'il écrivait des lettres à une petite fille. Et il écrivait à cet enfant des lettres ayant un caractère
libidinotique, libidineux, érotique, voire pornographique. Mais enfin, je m'étonne du fait que cette correspondance tout à fait malsaine ait pu, semble-t-il, échapper à la vigilance de l'autorité de la prison, de l'administration pénitentiaire, parce que, me semble-t-il, il eût été bon de mettre le rôle là et de se poser des questions, eh bien, quant à la psychologie de Bodin au regard de cette correspondance tout à fait inquiétante. Est-ce qu'à votre connaissance, en prison, il a eu un suivi psychiatrique, alors général, parce que qu'il soit ou qu'il ne soit pas un assassin d'enfants, qu'il soit ou ne soit pas un pervers sexuel, en tout cas, c'est un homme extrêmement fragile sur le plan psychologique et psychiatrique. Il a en effet, à ma connaissance, été suivi par le psychiatre de l'établissement carcéral, mais vous savez comme moi que les prisons sont souvent indigentes quant aux moyens mis à disposition des détenus. C'est d'ailleurs assez honteux pour notre justice française. Et je pense que l'assistance psychologique et psychiatrique a été largement insuffisante, notamment, je dis bien notamment, dans le cas de Pierre Bodin. La mise en examen de Pierre Bodin dans les trois meurtres soulève une vive émotion dans la région. Les familles des victimes et les habitants de la vallée sont sous le choc, ulcérés, en colère. J'ai croisé énormément de gens qui m'ont dit « c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'il fout dehors, ce salaud ?» Et il y avait une incompréhension du système judiciaire. Rien que de savoir que c'est un récidiviste, eh bien, vous savez, ça, vous avez la hargne. On se dit que finalement, tout le monde savait qu'il était dangereux, mais bon, ça gêne personne de le remettre dehors. Dans le village de Schirmeck, c'est la mobilisation. Les parents de Julie appellent à une marche silencieuse. Une pétition est lancée pour un durcissement de la loi sur l'exécution des peines. Dans la rue, on ne parle plus que de ça. Il y a un dysfonctionnement de la justice. Et quant aux lois, bah écoutez, il n'y a pas le cumul des peines. Alors que vous assassiniez une personne ou trois personnes, on prend la peine la plus lourde, et c'est celle-là qui est exécutée. Ce n'est pas normal. On continue à croire que tout le monde est réinsérable. Or, moi, je pense que c'est faux. Et il faut arrêter de sacrifier des vies juste pour une idée de... Que l'on se fait, que tout le monde est réinsérable. C'est faux, tout le monde n'est pas réinsérable. Le 10 juillet, 5000 personnes défilent à Colmar pour rendre hommage à Jeanne-Marie, Edwige et Julie. Dans le calme et la sérénité, en pensant à toutes les victimes et surtout à moi, Julie. Merci. Donc ça a été pas la vitrine, parce qu'ils étaient sincères, mais c'était la face visible. Moi, je suis allée à Schirmeck avant le départ de la manifestation. J'ai parlé avec beaucoup de gens dans la manifestation à Colmar. Ben, je vais vous dire concrètement ce qui s'est passé. J'appelle ma rédaction, je leur dis, voilà, j'ai fait une sorte de panel des gens que j'ai interviewés dans la vallée de Schirmeck. Il n'y a que des appels à la peine de mort. Et ils me disent, ah ben non, c'est pas possible. Je dis, bah si, il n'y a que ça. J'ai interviewé des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, tout. Arrow sur la justice, c'est le mot d'ordre ici. Personne ne parle de soigner les délinquants sexuels. Tout le monde pense à sa famille. Étrange pour des solutions extrêmes. On a nous-mêmes des enfants, petits-enfants. Et puis bon, c'est absolument inadmissible de lâcher des gens dans la nature comme ça, après ce qu'ils ont fait. Donc, le rétablissement de la peine de mort, je trouve que ça serait pas mal, hein, pour ce genre de personnes. La peine, la colère, balayent toutes les tentatives d'explication. Au cœur des débats, celui qui est montré du doigt, c'est le juge d'application des peines, M. Hahn, celui qui a accordé la libération conditionnelle à Pierre Bodin.
Alors quand le juge Hein libère un personnage comme Baudin, eh bien, il faut se dire que cet homme-là, il a la peine de mort entre les mains. Et il peut l'appliquer à n'importe quel détour d'un chemin. Vous vous rendez compte de la responsabilité de cet homme ? Le juge d'application des peines a appliqué, a fait ce qu'il avait à faire. Il n'avait pas d'autre solution. Hein. Il n'a pas non plus la poudre de perlimpinpin pour permettre à des détenus de sortir et d'être tout beau, tout neuf, comme si rien ne s'était passé. Hein. Devant l'ampleur des réactions, trois procureurs décident de se rendre en personne à Schirmeck pour tenter d'apaiser les esprits. Le 4 novembre, une réunion publique unique dans l'histoire judiciaire se tient dans la salle des fêtes du village. Les procureurs sont venus répondre aux questions des familles et à l'incompréhension des habitants de la région. Y a-t-il un texte de loi ou une loi qui oblige un juge d'application des peines de remettre en liberté un meurtrier ou une personne que l'on sait dangereuse pour la société? Et la même question sera ensuite posée par la mère de Julie. Madame Charche, on remet tous les jours en liberté des gens dangereux, car les peines ont un terme, car les peines ont une fin. Quand on nous dit qu'on relâche des gens dangereux tous les jours, on peut pas être satisfait d'une telle réponse. Je veux dire, c'est que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. On sait qu'ils sont dangereux, on sait qu'il y a un risque pour qu'ils recommencent, mais on les remet tout de même dehors. Donc non, je ne suis pas satisfait du tout des réponses qui ont été faites. Jean-Marie Huet, il y a donc trois procureurs de la République, hein, celui de Strasbourg, celui de Colmar et celui de Saverne, qui se rendent dans le village pour s'expliquer et en quelque sorte s'excuser. Vous trouvez que c'était indispensable ? Moi, je pense que désormais, c'est indispensable qu'il y ait une transparence, qu'il y ait une, non pas une justification, mais une explication, a fortiori, en direction des familles des victimes. Et la justice, vous le voyez bien, est de plus en plus dans cette stratégie d'explication et de communication. Qu'est-ce qu'on peut dire pour expliquer qu'un homme qu'on a laissé sortir de prison vient de tuer deux gamines et une femme ? Mais je crois qu'ils ont eu beaucoup de courage, effectivement, à expliquer quel était l'état de la procédure de la loi à l'époque et des limites de celle-ci sur le fait qu'il y a une sortie de peine et sur le fait que même si on essaie d'envisager la sortie avec notamment les libérations conditionnelles, eh bien celles-ci étaient encadrées en tout cas, dans des limites qui étaient extrêmement ténues. Quelle est la règle pour laisser sortir un homme, expliquez-nous ça, un prisonnier, condamné, voilà. Qui décide ? Alors qui décide ? C'est le juge d'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, suivant l'importance de la peine qui a été prononcée, soit aussi le solde de la peine qui reste à subir. Quels sont les critères qui font qu'un juge d'application des peines ou un tribunal d'application des peines décide qu'un détenu ne doit pas faire toute sa peine ? Mais il y a toute une série de critères, bien évidemment de justification de domicile, de justification d'emploi, et puis bien sûr ce diagnostic qui est fait par des experts psychiatres sur la dangerosité de la personne qui est détenue. Néanmoins, il arrive qu'on se trompe, n'est-ce pas ? Et qu'on laisse sortir un homme qui va récidiver encore plus gravement. La justice est humaine, elle est donc faillible. Ce qui est certain, c'est qu'il faut sans cesse rechercher les moyens les plus efficaces pour limiter le type de drame que ces femmes, ces familles ont connu. Et c'est donc de rechercher dans la dangerosité, dans la détermination de cette dangerosité, des pistes pour apprécier ceux qui peuvent ou ne peuvent pas sortir. Vous dites que la justice est humaine, donc elle est faillible. Ça veut dire qu'il faut que les Français assument le risque qu'il y a qu'un homme récidive. Mais ça existera toujours. Ça existera toujours dans la mesure où il n'y a pas de peine perpétuelle qui aille jusqu'au terme de l'exécution de la peine. Donc il y aura forcément, ce qui est le cas dans la plupart des hypothèses, de réduction de peine automatique dans des mécanismes qui sont en train d'être modifiés, mais aussi, et c'est extrêmement important, la libération conditionnelle, on le sait bien, provoque moins de récidives que les sorties sèches. La loi ne permettait donc pas, et ne permettrait pas, même aujourd'hui,
de garder Baudin en prison. Mais tandis que la polémique bat son plein sur la récidive et la libération conditionnelle, l'instruction se poursuit. Des reconstitutions musclées et interminables ont lieu à l'automne 2005. Beaucoup de déploiements de force, pour peu de résultats. Presque rien n'a filtré de derrière les bâches noires, si ce n'est la confusion qui persiste dans ce dossier. Sur les 20 vanniers mis en examen, une dizaine sont toujours derrière les barreaux. Les reconstitutions n'ont pas réussi à éclairer leur part de responsabilité. Mais les gendarmes ont trouvé un nouvel indice. On aurait trouvé un élément capillaire de Jeanne-Marie sur une couette qu'on aurait trouvée à Artolsheim. C'est l'élément qui a été déterminant sur l'éventuelle présence de Jeanne-Marie à Artolsheim, c'était la présence d'un cheveu. Cet élément n'est pas suffisamment caractérisé pour que l'on puisse affirmer que cet enfant y était. C'est trop imprécis. Bref, on n'en sait guère plus qu'au début de l'enquête. Pierre Baudin, toujours camouflé, n'a pas craqué lorsqu'il a été confronté au lieu et au témoignage. Il nie formellement connaître le clan d'Artolsheim, des Vanniers pourtant, comme lui. Beaucoup de questions restent en suspens, sur le scénario des crimes, bien sûr, mais aussi sur la personnalité de l'accusé. Baudin peut-il être innocent? Est-il vraiment le monstre froid, le prédateur d'enfants que certains ont décrit? Ou est-il simplement Pierrot, le fou? Est-ce que Pierre Baudin est fou ou pas? Nous avons des expertises totalement contradictoires. Certains experts disant qu'il est tout à fait normal, d'autres que c'était un simulateur, et d'autres encore disant qu'il avait des épisodes véritablement psychotiques, c'est-à-dire où il décompensait, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fou, c'est-à-dire qu'il ne savait pas ou il ne savait plus ce qu'il faisait. Le cas reste une énigme, mais en tout cas, c'est pas le calculateur, le manipulateur, froid et raisonné, qui sait dès le départ où il va. Il est envisageable que Pierre Baudin soit débordé par quelque chose de lui-même. Et il est aussi envisageable qu'il y ait quelque chose qui nous échappe pour toujours dans la personnalité de cet homme. Pas sûr que le procès apporte des réponses à toutes ces questions et lève le voile sur l'énigme Baudin. Pas sûr non plus qu'il suffise à apaiser la peine et la colère des familles sans illusion. J'attends le procès, j'espère qu'il sera puni pour ce qu'il a fait, à sa juste valeur. Mais bon, la haine, non. Enfin, si c'est ça de la haine, alors oui, j'ai de la haine, mais autrement. Qu'est-ce que j'attends du procès? Il sera condamné à perpétuité. Soit, il ressort dans 20 ans. Qu'est-ce que vous voulez que j'attende de ça? Le procès de Pierre Baudin aura lieu en principe dans les mois qui viennent et il sera sans doute jugé aux côtés du clan des Vanniers, au moins dans le dossier du meurtre de Jeanne-Marie. En attendant, depuis sa prison, Pierre Baudin continue de signer ses lettres par cette phrase « Baudin, un innocent en prison ».